ba congolais nyoso tu ba ngba iba il faut ba tala racite nini ah soko uzali congolais a solo e sengeli otala bobele congo dialogue congo dialogue eh tembete ozasi soko di congolais a solo o kokiko zanga mokolo mokote e sengeli otala bobele congo dialogue oyeba makambo mazali koleka kuna donc www.congodialogue.com soko za congolais a solo yango bana papa mzeta lobi yango foko tala ka Tina yangu ngai pena yebaka makambo makolega kuna na bosa na te. Otala rapeka ka Congo dialogue. Tembete. Yeah, so ki ata nazali congolais so ata ba mendele ki ba koki kotala. Congodialogue.com. Bana Congo, bana Afrique, bana Royaume Congo. Mbote na bino. Lelo ezali bokolo ya yenga le 11 juillet. De l'année en cours, donc 2021. C'est le dimanche. Dimanche de Bible, dimanche de vêtements, dimanche de la mode, de mensonges et d'escroqueries. Dans la montre, moi bien, on peut aller dans la messe, il y a un gars qui est un peu dans à partir de chez moi. Lelo na kolobela ba point mibale. Liboso ezali boumbu, donc l'esclavage, boumbu ya bana ya Israël na Egypto, donc en Égypte. Et puis na komeka d'une manière brève. Kosembola kombo oyo babengi Masia to Messi en français mbote na bino lisusu zalingai ndeko na bino l'antichrist jemadari vivikil kilele nazali na mwa ba passage na imprima ki a parti ya Bible na internet donc na zana ngawa bien que je n'ai pas pris la Bible mais ba passage on alinga ki na imprima ngo na kati ya imprima ya nani ya internet na zana ngawa donc c'est toujours ba même passage pe zana kati ya Bible donc mutuno ezali est-ce que bana ya Israël bazalaka baumbu na Egypte. Parce que à tout moment, les colonies, ceux qui ont basé comme ils benga, basali en Zambie, na ba chrétien oyo, bongo la bongo e beba na lokuta ya histoire wana. À tout moment, ceux qui basé koloba, ba zoaka toujours ndaki sawana comme étant un exemple de référence, ceux qui basent la carte à souffrance et pour faire endormir les gens, enfin que bato ba se révolter. À tout moment, vous voyez que Bazouko se référait, Bazouko y a eu. Vous savez, Bana et Israël, ils avaient souffert pendant 400 ans hein, en Israël. Et avec le temps, leur Dieu les a sortis de cet esclavage, de cette persécution. Et ils sont allés vers la terre promise. Pour dire que non, na Congo, nous avons eu un peu de temps, il faut pas réagir. Il faut pas fanda, on peut pas zoanda qui s'abat en Israël. Il faut être patient. Je ne sais pas qui parmi nous qui peut vivre pendant 400 ans sans qu'il akufa. Et puis au-delà de 400 ans, ce qui va couper si ango ne va démissi qu'on a quand il y a bombe. Kondima makambuanate. Ce sont des allés poisons inoculés par l'Église catholique romaine et même les fausses histoires hébraïques. Donc la question est de savoir est-ce que les Hébreux étaient vraiment des esclaves en Égypte. Vous savez, la légende biblique a toujours présenté les Juifs comme ayant été eux-mêmes des esclaves dans certains pharaons en Égypte. Il faut me rebaquer. Ils n'ont jamais donné le nom de ce pharaon là-bas.
Donc, ils ont été esclaves à une certaine époque en Égypte, à une époque où personne ne parlait ni de leurs ancêtres hébreux en Égypte, ni des Juifs eux-mêmes d'ailleurs. Ok? Bon. Comme je l'ai dit, certains gens spéculent qu'ils ont fait 4 siècles en Égypte, ce qui est équivalent à 400 ans. Ba musicien Moussousou, ba Yemba Yango, etc. Mais ce qui est total Yango bien, cette escroquerie de l'esclavage des Juifs en Égypte, et bandi soki totangi na mukana na bango lokuta ya Bible na Genèse 15 verset 12 à 15 quand Abraham reçoit un message de Yahweh dans un rêve. Donc na verset wana na verset na Genèse beaucoup ya Genèse verset 15, de 12 à 15, oui. Abraham alalaki, ou bien Zambé, Nabango, Yahweh, alali sakiye. Et puis alali, nden Zambé, alobelie, nakati andoto. Je vais lire le passage, verset 1 dans Genèse 15. Verset 12, la 13. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Bon, awalibosoba bengi Abraham. Plus tard, l'histoire biblique nous dit que comment on a eu Baluka qui est comment qui Abraham. Alors, il dit, le sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la séhir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Donc, Abraham alali, c'est ma bobangi et kwelie, na moulili pe ekiti, nden zambé abimelie, nandoto, ayebsie, yebake, bana na yo, bakitani na yo, bakozala, bakokene nanda, namboka boumbu, esika oyo, bakosambu sabango, ils vont souffrir, et wana souffrance en écoutiré 400 ans. Yahweh continue encore à parler à Abraham de cette façon. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Yahweh a dit à Abraham que ako juge mboka wana esika bana ya Israël kozala baumbu. Et après une longue période, baumbu ekosila pe bakolongwa na mboka wana na mikumba ya nkita mingi. En détail, ekozala ba or, ba bijou, ba nyama, donc bibwele, etc. Oyo bakozala na mboka wana po bazonga na mboka na bango. Comparer un peu ça à l'occupation actuelle, ya ba Rwanda, Burundi, Uganda na ba msusu o baye ko yiba. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Ce qui botangi beaucoup ya nombre, na chapitre 20, à partir ya verset 14,
et décrire le sous boumbouana balobi. Tu sais, toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadesh, ville de l'extrémité de ton territoire. Il y a beaucoup un nombre à partir du verset 15. Balobi. Tout le monde est boile, ma carte à Égypte, et si ka, Bangkok on a biso, bakendeke. Kuna, ba Égyptien, ba maltraita biso. Kasi, nzambe a tindele biso, angelou moko, aye koulongo la biso na boumbu. Tala le loyo, to kati si, ndelo ya Égypte, to kombi, namboka moko ba bengi, Kadesh. Au-delà de l'Égypte. Bandeko. Généralement, on sait qu'un rêve n'est jamais une réalité. Nous voyons dans ce passage de la Genèse que le mensonge du prétendu esclavage des Hébreux chez nous, en Afrique, en Égypte, c'est une fiction. Ils n'y ont jamais été. Ni vécu pendant toute cette longue période qu'ils décrivent ici. D'abord, qu'ont-ils fait, ces Hébreux là-bas, s'ils étaient en Égypte, en Afrique, qu'ont-ils fait pour qu'ils deviennent des esclaves? La narration biblique ne donne pas la raison de leur persécution. Ce qui réellement ba Yuda, ba Zalaka Baumbu, na Afrique, na Egypto. Bible ezoko yeb sabiso te, ma beni ni o basala, mpo bako ma Baumbu. Oui, vous allez me dire, mais l'air, ba mendele ba yaka kozo ba noir, ba kena bango, bipay na bipay, basala ka, faute nini, ba noir ba salaka faute mon côté. Les esclavagistes étaient motivés par les besoins économiques ou balinga ki bato ba sa la bango misala bango ba fana kata mandako mpe bango ba zana mbongo. Oui, les noirs n'avaient commis aucune faute. Ils étaient seulement surpris, attaqués par une race violente. Mais ba juif nakati ya Égypte prétendument, ils nous disent qu'ils étaient des esclaves. On ne nous dit pas, et eux-mêmes ne nous disent pas. Et là, on est ma bé, oyo basali là, pharaon, là-bas égyptien, pour qu'ils deviennent des esclaves. Ils ne nous disent rien. Il n'y a pas de raison pour justifier ça. Alors, au moment que, du début à la fin, depuis la bande de la Genèse 15, il a commis un nombre à 20. Dans la version, on a de 14 à 16. Il n'y a aucune raison que la narration biblique donne pour nous dire que les enfants israélites étaient des esclaves au pays de Noir, donc l'Égypte. Il n'y a aucune raison qu'ils avancent, aucune. Et loko est banni dans l'autre. Donc, esclavagisme, on a. Ils n'y ont jamais été. Et pour vous prouver que Bayuda, Bazalaka na Égypte, Baumbute, Mpe Bakomara Kunate, il y a un jour, Jésus-Christ, Yemoko, qui n'a jamais existé d'ailleurs, mais nous sommes en train juste d'analyser les Écritures,
Yezo Christo ye moko s'adresser aux Juifs, aux pharisiens, donc les gens qui ne croyaient pas en lui, ou à tous les mensonges qu'il racontait. Yezo ye moko azoko s'adresser na bandeko na ye. Bandeko boyoka dialogue oyo entre Yezo Christo na bandeko na ye ba Yuda na mukanda ya Jean 8 verset 31 jusqu'à 34. Mais nakotanga kaka de 31 jusqu'à 32. Le reste là vous pouvez vous-même vérifier vos bibles. Alors, il est dit ceci en français. Et il dit aux Juifs, les il là, c'est Jésus. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est un dicton qui est bien connu par tous les chrétiens. Dans verset 33, ba Yuda bandeko na ye, ba yanoliye na ndenge boy. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il? Vous deviendrez libre. Ba Yuda, bandeko ya Yesu, bango moko. L'air azoko sura na bango libanda. Azoko yebse bango keno. Soki bozo kura ngai te, boko zala baumbu. Me soki bo kura ngai, boko zala libere. Paske, bo solo e libera kamoto, sa va vous affranchir. Bande konaye, ba Yuda balobi tala. Mwana oyo, arrête en paix tes bêtises là. Cette saloperie que tu es en train de raconter. Yo zolo ke biso, tozali ba umbuto, tozali liberté. Mais yemba ke, biso tozali bakitani, tozali bana ya Abraham. Nous n'avons jamais été, jamais, bisous tous à la kabaumbu, des personnes depuis Tobotamati, Namo Alelo. Peuple n'a bisous n'a tous à on n'a jamais été des esclaves, nulle part au monde, ni par personne. Ça se trouve dans la Bible. Ngana Epsibino, Botanga, Mukanda, il y a l'homme, il y a Jean. Chapitre 8, verset 31 à 34. Je le répète, et ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il? Depuis ton botama, jamais biso to sala baumbu ya moto. Ndengenini yo yeso olu bakeno, Bosolo na yo, votre vérité va nous affranchir. Mais tu mens. Alors, bino ba soi-disant ba sali en Zambi. Dikon, chrétien, fidèle, apôtre, disciple, diacre, évêque, archevêque, Ndenge bolingi anglais, bishop, archbishop, général, maréchal, etc. Bolo ba lisusu, bokosa lisusu batuke, bana ya Israël, bazalaka, baumbo na Egypte. Ils n'ont jamais été des esclaves en Egypte parce que Yesu ye moko. À s'adresser à Bango, Mpe ba juif, ba ebisye, nous les juifs, nous n'avons jamais été des esclaves. Donc, cessez de mentir, vous, le soi-disant serviteur de Dieu, vous êtes des menteurs. Vous êtes en train d'inoculer un poison dans le mental des hommes.
Sur cela, j'ajoute le deuxième point. Point à mi-balé, Ezali Nkombo Oyo, il y a Masia. Kombo, il y a Masia. À tout moment, Batoazou s'exclamait Masia est, Yeso Masia est. Ça, c'est de l'ignorance. Et puis, c'est une maladie. Bokono, et ça, c'est un mot qui est Nkombo Masia. Ezali ko se référer na esprit moko spirituel yali koloté. À l'origine, na katia munoko lokota oyo babenga araméen balobaike, c'est la langue que Jésus-Christ parlait. Le nom, le mot, mshéa, dans l'araméen, mshéa, et la kisi, le ouan. En fin de le ouan. Le ouan, ezali nan. Le ouan, ezali moto oyo, bapakoli, mafuta. Un peu d'historique dans ça. Nakati ba tribu nyonso na monde. Soki ba initié yo. Na ba secret moko. Il y a un passage de rite na biloko mususu basalaka. Na kati ya bamboka na biso ba pakola kabato mafuta et que zala awa to sima. Boki kwenisio na kindoke, boki kwenisio na je ne sais quoi. Ba koko ba kolo les initiés ba pakola kayo toujours mafuta. Soki ba pakoli yo mafuta wana, tu deviens un ouan. Le fait que ozali ouan déjà, ba juif, ba zaye ko benga mutwana, oyo ba pakoli yo mafuta, ke azali msheha. Msheha. Donc moto oyo ba pakoli yo mafuta. Et quand quelqu'un devait devenir un roi, un chef ou initié na ba secret d'une certaine société secrète, loge comme vous voulez, pas totalement une loge maçonnique. Les juifs avaient ce qu'on appelle la Kabbalah. Ce qui balingi ba initié yo, ozali initié, ba ndimi yo, ke oleki passage wana, ba wandre yo, ça signifie, ba pakoli yo, mafuta, okomi, ouin. Ouin de Dieu, Dieu na bango. Alors on t'appelle Mshéhéa en araméen. Avec le temps, Kombo ya Mshéhéa, ça a évolué. Et wandre quelqu'un en hébreu, wandre quelqu'un en hébreu, c'est ce que on a appelé Machak. Et Machak, avec le temps, ça a évolué et changé. Au moins, à partir de Mshéhéa, Machak est commis Messie. En français, Massia, to Messia. Et avec le temps, ils ont la variance. Vous voyez des gens qui s'appellent les Meshak. Un wa na langue hébreu, mais ebanda na langue araméen comme étant mshéa. Ça ne signifie pas nzambe. Ça ne signifie pas autre chose. Ça signifie ce que je viens de vous expliquer. Alors, ba juif ou ba hébreu à l'époque, to ba israélite, un seul peuple avec beaucoup d'appellations, on les appelle les Juifs, les Israélites, les Hébreux, bon, beaucoup de noms, ceux qui se font appeler les enfants de Dieu. À l'époque,
province na bangwana province ya Césarée à l'époque ezalaki occupé par les tout puissants empires romains de l'époque. Ils ont souffert ndenge biso toujours ko souffrir les lots ndenge ba chinois à l'époque étaient occupés par l'empire du soleil levant, les japonais. La Chine, si grande qu'elle est, a été occupée à l'époque par les japonais. Bisopé tozomona boalewana. Alors, ceux qui bato bazali na occupation, ils deviennent désespérés. Ils se mettent à chanter, ils se mettent à prier, ils ne savent pas si la délivrance est kouta wapi. Alors, les juifs ba koma ki dépassé na occupation là. Alors, ils se disaient un jour quand nous allons nous délivrer ou nous allons nous livrer, nous libérer de cette occupation romaine, dès que nous aurons acquis notre souveraineté, celui qui va nous gouverner s'appellera ou prendra le titre de Messie. Messie, comme vous le dites, que ce soit en swahili, en anglais, en balang, en abisson, en africain, parce que ça, comme on a vu, c'était au tupuna, dans mon konabango. Donc, un Messie, c'est un gouverneur à venir qui est dans le mental des gens. C'est un titre politico-administratif et non pas une entité spirituelle, Nzambe. Bozobenga Yesu Masia. Yesu Masia ne signifie pas que Yesu Nzambe. Masia ezali un gouverneur d'une région, d'un pays à venir. Dès que souveraineté kozalawana. C'est ce que ça signifie la langue hébreu. Or, bozali kobenga Yesu, Yesu Masia. Masia comme étant un gouverneur, un roi, un administratif. Or, dans l'histoire d'Israël, Jésus n'a jamais régné comme un roi ni comme un gouverneur de la région. Donc Jésus n'avait jamais été un Messie. C'était, enfin, le peuple juif était dans l'expectative d'une libération, comme ils étaient sous l'occupation des Romains. Alors, les occupants en Israël à l'époque, on les appelait en langue hébreu Kittim, les Kittim. Vous vous rappelez au Congo, nous avions le secrétaire général d'IMPR, Mouvement populaire de la révolution de Mobutu, un type qu'on appelait Ramazani, Kittima bin Ramazani. Bon, le Swahili, Zali MP, ça a tiré un peu. Certains vocabulaires des langues moyen-orientales, entre autres l'arabe et l'hébreu, peut-être Kittim wana, Kittim wana, et Outa, nakatiya Kittim chez les juifs. Yango, Kittim abin Ramazan, azoa yango, Kittim, bon, je ne sais pas, le même connaît la signification, mais en langue hébreu, Kittim, ça signifie occupant. Ce qui est normal parce que Kittim abin Ramazan, ce qui bolouki, 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 il n'était pas du Congo. Ce sont des gens qui ont quitté la Tanzanie pour venir chez nous. Hein? Vous vous rappelez que il y avait un président en Tanzanie qui s'appelait Hassan Mwinyi. Soki Bolandi origine Hassan Mwinyi. Hassan Mwinyi, ba kokonae, bauta, na rive gauche, na Kindu. Et jusqu'à présent, si quelqu'un n'occupe au coup d'un village, il y a Mwinyi, Mwami Mwinyi. Alors, vous voyez l'histoire d'Afrique, Nengezali. Donc, Kittim Abin Ramazan, peut-être que vous avez dit qu'il y a un mot Kittim, qui signifie occupant. Et lui, étant venu au Congo, il était un occupant, comme vous avez la plupart des Rwandais, des Burundais et des Ougandais qui sont dans notre administration, entre autres Augustin Matata Mponyo, qui n'est pas un Congolais, c'est un Kittim, c'est un Rwandais. À ton université ou pas, nous connaissons son origine qu'il est Tutsi. Chadari,
tu es un Tutsi. Vital Kamerhe, qui est un Tutsi. Et ils sont nombreux. Toyebi Bangonyo, ce sont des Kitim. Donc, apprenez aujourd'hui que les Juifs étaient occupés par les Kitim. Kitim signifie les occupants. Donc, les Rwandais, Burundais, Ougandais, tout ce qui nous occupe, ce sont des Kitim. J'espère que ce matin, cette messe vous a plu et vous a ouvert les horizons. Ça enlève un peu le voile de l'ignorantisme que les pasteurs et d'autres gens qui se prétendent être des serviteurs de Dieu continuent à vous voiler les yeux avec. Et que c'est parce que cela provient de moi. Vib. Je m'adore Vib Kilkilele. Pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimpavita, de Kimbangu, de tous les Congolais qui résistent contre l'oppression et l'occupation, de tous les martyrs congolais, afin de refonder la nation. Bon repos. Ba Congolais nyo sotou ba yungba yiba, il faut battre la racite nini. Ah. Soko uzali Congolais a solo e sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue? Tembete. Ozasie. Soko uzali Congolais a solo o kokiko zanga mokolo mokote e sengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. www.congodialogue.com. Soko za Congolais a solo. Yango wana. Zeta lobi yango. Foko talaka. Congo dialogue. Tina yango ngai pena yeba ka makambo makoleka kuna. Nabosanate. Otala rapekaka Congo dialogue. Tembete. Yeah, so ata nazali congolais so ata ba mendele kwa kokiko tala congodialogue.com.